les potos, c'est Joseph Yofut, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve au cours de Stormrider, définissez les questions de Stormrider, c'est le tour. Pourquoi? Parce que le... officiellement avec des images au mois d'avril, donc on commence tout de suite cette aventure, on fera les deux. Allez. Un célèbre explorateur a dit un jour : les choses extraordinaires dépendent de nos actes, pas de qui nous sommes. J'avais enfin décidé de partir faire mes preuves, pour chercher l'aventure. Mais à la place, c'est l'aventure qui m'a trouvé. Dans les instants les plus sombres, quand votre vie vous abandonne, il y a toujours quelque chose. Quelque chose qui vous maintient en vie. Quelque chose qui vous pousse à avancer. Parler pendant la cinématique, vous avez bien compris. Allez, je connais un peu le jeu, je ne sais pas où je vais aller. Hein. Je veux pas de commentaires, zoom sur ses seins, zoom sur ton cul, je supprimerai directement le commentaire et arrêterai la série. C'est tout. Voilà. Et dans le troisième et dernier opus des origines de l'art. Excusez-moi pour la qualité. Option audio. Ah, c'est déjà zéro. Si autrement, les droits d'auteur vont s'appliquer et... Ah, les vibrations, si j'enlève les droits d'auteur vont s'appliquer, il va y avoir un des épisodes sur deux qui va être supprimé, voire presque tous. Pas la peine d'avoir l'épisode 1, l'épisode 6 et l'épisode 7, l'épisode 8 et pas avoir tout le reste. Allez hop. Allez.
mettrai des peut-être des petites spécifiques au même. Je mettrai épisode 1 un titre spécifique. Peut-être je verrai. Des fois peut-être non. Il faut que je me libère. Je peux pas mourir comme ça. Et des fois il va falloir que j'anticipe, donc si vous, vous allez entendre avec les bruits de la manette, et je vous le dirai pour si vous voulez jouer au jeu. Ça va faire mal. Puis vous me regardez pour avoir des solutions. Ça c'est un peu bidon comme truc. Boum. Le visage de Lara et tout ça, je préfère juste sur le deuxième, hein. Le troisième est mieux fait, quand même. Il y a tout qui change sur le visage par exemple. Là au moins quand c'est comme ça, ça devient gris, ça veut dire qu'on meurt. Hein. Et là c'est qu'il est blessé, ou qu'on est presque mort, on est vraiment blessé. Comme là par exemple. Allez. Oh mon dieu. Non. Non. Qu'est-ce que c'est cet endroit? Elle se demande où elle est, c'est normal, hein. Une torche. C'est ses origines, elle devait... C'est... Non, moi, c'est pas son métier archéologue, hein. Plus de tombe. Enfin, elle va le devenir dans le troisième et dernier opus de sa... des origines de l'art. Du remake. Oh non. Il a dû m'entendre. C'est pas vrai. Allez, c'est parti. Donc ouais, ça va aller rapide aussi à l'époque parce que je m'en rappelle. Alors c'est un peu de la logique, hein. Je Tomb Raider, je vous le dis tout de suite. Il y a des ajustations audio, dites-le moi dans les commentaires. Je regardez pour régler au mieux. Mais bon, on ne sait jamais. Allez, on continue. Comme l'avait pas anticipé. Je sais pas qui a pu échapper, mais on peut sur les deux. Reviens. Boum. Reviens. Je veux juste t'aider. C'est fini, Lara. C'est fini. Reviens. Reviens. Allez, on continue. Si je meurs beaucoup de fois, plus de deux fois, si je meurs deux fois plus, je couperai, bien évidemment, je sais que j'y arrive. Ça strictement rien, ou je me fais repérer, des trucs comme ça, c'est une mission, c'est une mission, si on ne doit pas se faire repérer. Alors pour ceux qui critiquent le film négativement, parce qu'il y a des critiques positives, pour moi il était très très bien ce film, il faut arrêter. Et pourquoi pas en faire un deuxième parce qu'il était bien, même les journalistes qui critiquent ce film, je suis pas d'accord avec eux. Voilà. Ils connaissent un peu rien ces gars, on dirait pas qu'ils ont pas le temps, ils critiquent tous les films qui sortent tous les mercredis, ils ont pas le temps de voir tous les films quoi, c'est un peu con leur truc. Mais qu'est-ce que c'est que cet engin? Donc regardez la bande d'annonce et puis c'est tout quoi. Regardez un quart d'heure du film et après voilà. Strictement bête. Leur critique. Ah non, on a oublié. Voilà. Allez, on continue. Des épisodes de 20 minutes. Ah merde, je me suis raté. J'avais dû comprendre ce qu'il faut faire, du coup. Allez hop, c'est parti, on reprend les jeux vidéo. Comme je vous avais peut-être promis dans les vidéos en arrière, j'en ai pas sorti beaucoup en ce moment, il manque vendez le film de la 38e et dernière journée quand je tourne la vidéo. Il sera sûrement sorti quand je sortirai, bref, on verra. Allez. D'ici ça, peut-être ça va revenir, mais là, je vais acheter du matos. Vous l'avez peut-être déjà vu. Vraiment, ça a confirmé, mais le 4 juillet, il y aura une vidéo sur l'entraînement de vol, le premier de la saison. À confirmer, hein, parce que je sais pas si ça sera ouvert ou plus, ou pas, il faut que je sorte de là.
Voilà, allez, on sort de là. Sur cette île. Donc si vous m'entendez respirer, désolé, hein. C'est avec le micro, même pas dans les cinématiques. Et j'aime pas trop les cinématiques moi dans les jeux, alors parce que je préfère, c'est de jouer, de contrôler le personnage ou les personnages. Allez hop, on continue, on va descendre. Mais où sont-ils? Ils ont dû avancer dans les terres. Allez, on continue. Hop. Ok. Doucement. Doucement, la 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 la. Allez, ma petite Lara, on se dépêche. Hop là, c'est parfait. Je suis raté. 20 secondes, vous allez vous ennuyer parce que je m'en rate, comme tout à l'heure. Un monde de perdu, mais on peut dire ça comme ça. Okay. Ah, d'ailleurs, sans vous spoiler le film, elle y a un peu une des mêmes scènes qu'il y a sur là. Hein. Je suis sur une scène des jeux. Oulala, je me suis suicidé, encore 20 secondes de perdu. Bah oui, tu vas y arriver, t'es athlétique ma petite Lara. Allez, bon. Allez. Bien joué, bien joué. Mais là, je vous avais promis qu'au mois de juin, il n'y aurait pas beaucoup de vidéos qui sortiront à cause du brevet de collège. Je ne peux pas être tétané, je vais pas l'avoir avec mon champ très bien.
Et ben voilà, on y arrive, Madame Lara Croft, tu es prêt. Bientôt la fin de la vidéo, on s'en vous spoiler. Le sac de Sam. Là, là elle est plus propre avec la pluie. Sam! Ils ont dû passer par là. Excusez-moi pour mon téléphone. Il a sonné dorénavant, je vais chercher mon cheveu. Non, on est obligé de tomber, hein. C'est le clip du jeu, le truc. Et hop, on avance. En avant. Ah oui, je comprends avec le deuxième Shadow Rise of the Tomb Raider où il faut appuyer sur le joystick. Alors là, il faut appuyer sur la touche LB. La couche de gauche, là, c'est du haut. J'ai trop l'habitude des touches PlayStation, car je joue sur PlayStation. Je les ai toujours pas appris par cœur, les touches Xbox. Faut pas dire qu'il est dégueulasse, hein, qu'il boit de la haut de la pluie, c'est normal. Elle a tout ça, hein, mot. Est-ce que quelqu'un m'entend? Allez, répondez! Ah voilà, c'est à ça, là, les petits points de compétences, et puis comme ça, améliorer nos armes. Voyage rapide aussi, je crois, s'il y a dans le premier, dans le deuxième, je sais plus. Mais ça ne sert strictement à rien. Et il est tard, la rail, faut faire dodo. Au moment le plus pété du jeu, ils viennent pas. Et voici la future référence mondiale de l'archéologie, Lara Croft, dans son habitat naturel. Elle est à la recherche du royaume perdu du Yamatai. Sur les traces de Himiko, la mythique reine solaire. Une de mes ancêtres, semble-t-il. Sam, c'est sérieux, là. Je sais, ma belle. J'essaie juste de détendre un peu l'atmosphère. Tout le monde est tellement à cran. Dis-moi ce qui te préoccupe. Je tiens quelque chose. J'en suis persuadée. Mais je sais pas si les autres m'écouteront. Ou s'il faut qu'ils m'écoutent. Lara, personne ne connaît ce sujet aussi bien que toi. Sérieusement, je dis pas ça juste pour te rassurer. Je te fais confiance. Et Ross aussi. Ça va aller. Allez, c'est le moment de faire une pause. Faut se détendre. D'accord, d'accord. Hé, Sam. Merci. Elle n'est pas toujours aussi sérieuse. Mais vas-y, allez, rattrape-le. Non, mais c'est ta chance, là. Mais comment pouvez-vous insinuer que je ne prends pas cette expédition au sérieux, Lara? Il n'y a pas que la famille de Sam. Moi aussi, je finance le projet. Nous jouons tous gros dans cette histoire. Et on savait que ce ne serait pas une promenade. C'est précisément pour ça qu'on doit aller vers l'est, pas vers l'ouest. Rien ne laisse croire que le... Rien ne laisse croire que le Yamatai soit autant à l'est. Tous les ouvrages de référence disent le contraire. Cela dit, leurs auteurs n'ont jamais trouvé le Yamatai. J'en ai déjà parlé avec Ross. Ça ne rime vraiment à rien de marcher sur les traces des autres, Dr. Whitman. Oui. Ne comptez pas sur moi pour jouer ma réputation sur une de vos lubies. C'est moi seul qui dirige cette expédition.
Depuis quand vous n'êtes pas allé sur le terrain sans caméra derrière vous? J'ai 30 ans d'expérience, 2 doctorats, dont un en histoire de l'Extrême-Orient, alors occupez-vous plutôt de votre bateau. Navire, Dr. Whitman. C'est un navire. Pas besoin d'un doctorat pour savoir... Écoutez, faire cap vers l'est nous mènera directement dans le Triangle du Dragon. C'est là où nous devons aller. Lara, ma petite Kai, tu sais bien que je serais prêt à suivre n'importe où, mais j'aime pas cet endroit. Ces tempêtes feraient passer le Triangle des Bermudes pour Disneyland. Certains récits racontent que la reine Nico pouvait invoquer des tempêtes. Les mythes sont souvent des déformations de la réalité. Et si le Yamatai se trouvait à l'intérieur du triangle? Voilà une image satellite montrant l'intérieur du triangle du dragon. Ça ne donne pas envie. Tant qu'il y a de l'eau, je peux vous y amener. Oh, ne me dites pas que vous êtes sérieux. Reyes a raison, on n'a pas les moyens de tergiverser. C'est maintenant ou jamais. Lara a le mérite d'avoir des idées et une carte. C'est moi le capitaine, c'est moi qui décide. On va aller dans le Triangle du Dragon. Comme bon vous semble. Alors, avez-vous compris pourquoi elle a été sur le... À vous de me répondre dans les commentaires. Du coup... Et puis on va s'arrêter là, ça fait 22 minutes, on est ensemble. Je peux pas rester là, rien faire. Il faut que je trouve quelque chose à manger. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Mettez un maximum de likes, abonnez-vous, commentez la vidéo. Salut, à la prochaine, c'était Jeux d'Anigo Fut.